fois se sentir mieux considéré et que les pouvoirs publics affichent pour notre secteur vraiment une ambition très forte. C'est pas un truc de campagne électorale, parce que c'est vrai qu'en 2022, il y a beaucoup, on est leader dans plein de trucs, on va réindustrialiser la France. Je parle vraiment du terrain, c'est réel. On peut vraiment être leader européen. C'est pas du tout des mots en l'air. Je pense que l'ambition collective, encore une fois, ça doit être une ambition de leadership. Au-delà de ce qu'il est en lui-même, première industrie culturelle française, le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois, le nombre de joueurs, je crois que, et je le crois sincèrement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président, la question du jeu vidéo, et la question du jeu vidéo français et européen de manière plus large, est plus largement au cœur des questions de soft power. C'est un écosystème. Il représente des emplois industriels. Il représente une part de la valeur ajoutée du territoire. Et c'est ça qui compte, du coup. Culturel, pas culturel, secteur économique, secteur numérique, technologique. Vous êtes là. Vous devez vous organiser, avoir un dialogue avec l'État, et c'est en tant que filière qu'il faut raisonner. Il y a également France 2030, et je crois que Bruno Bonnel, à qui j'en ai parlé, sera totalement d'avis de dire qu'il est logique qu'une partie significative des 600 millions d'euros qui sont prévus dans France 2030 sur les questions culturelles aille vers le secteur du jeu vidéo. Le plan investissement, le plan de France 2030, pour voir comment on peut, la puissance publique, vous accompagner dans le développement de nouvelles technologies qui sont nécessaires pour le jeu vidéo.